amis moi yo petite maman Marie yo petite Notre-Dame de Fatima yo amis téléspectateurs et téléspectatrices Fatima Pernier TV moi content saluer nos matins yo jeudi 23 juillet 2020 c'est avec un pile plaisir moi va porter pour nous la vie de Sainte Brigitte de Suède. Brigitte, c'était une dame mariée. C'était maman d'une petite. Elle était commencé à étudier l'écriture, ça veut dire la Sainte Bible. Et elle était adoptée dans la règle de vie. Il était recevoir en pile grâce dans mes bons dieux. Il était qu'on a prière en pile. Et il était qu'on pratiquait tout sacrement pénitence pendant il était qu'on fait la charité. Un jour, pendant il était chita sous perron dans l'église, juste pour demander la charité pour être capable de recevoir un petit cob. Au moins pour être capable de distribuer ça qui est petit, ça qui est mal, ça qui est déshérité. C'est dans ce moment ça il y a une princesse qui t'a reproché parce que elle t'a dit qu'elle n'est pas une vraie place, elle n'est pas une bonne place. Elle. Et elle t'a répondu à la princesse pour dire que Jésus t'a fait tout petit. Sans pas besoin d'autorisation par eux. C'est comme ça, après la mort de Marie, li, Brigitte est installée définitivement à Rome et elle était refusée de remarier justement pour être capable de consacrer la ville à bon Dieu. Une année après, petite fille, Catherine, qui vient tourner Catherine de Suède, cette Catherine de Suède, et bien te rejoindre à Rome. Ils ont mené une vie paisible, côté que, ensemble, ils ont construit un hôpital pour ça qui est petit, pour ça qui est faible, pour ceux-là qui ne peuvent pas répondre à besoins personnels. C'est belle dame ça, grande dame ça, bel modèle ça que l'église l'a présenté nous pour jeudi 23 juillet 2020. Par l'intercession Sainte Brigitte de Suède, en nous demandant bon Dieu grand maintenant pour le capable de nous un cœur, pour nous aimer, c'est là qui pipiti yo, ça qui pas capable de répondre à besoin quotidien yo, c'est là yo. Qui attendent que nous longer la main baille. Bon jeudi à nous chaque et à nous toutes. Restez dans la présence de bon Dieu.